Salut, salut, bienvenue à tous pour une nouvelle conversation à bâton rompu en partenariat entre France Fraternité et Uzbek Erika, et toujours dans ce lieu magnifique, les libraires associés en plein cœur de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement à Paris. Pierre, heureux de te retrouver ici. Eh bien, moi de même. Comment ça va, Ouzbek Ça va pas mal. Erika? Ouais? De nouveaux projets? Plein de nouveaux projets. Bon, Tout à fait. un jour on en parlera. Non, ouais, je pense que ce sera pas mal. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Alors après la haine en ligne, après la laïcité, l'islam, on parle aujourd'hui d'un nouveau thème hyper consensuel, hein, Pierre, Ouais, le comme d'habitude avec nous. cybercomplotisme, un thème très très traité depuis des mois, mais qu'on va essayer de synthétiser le mieux possible, de la façon la plus pédago possible ce soir. Les complotistes, hein, comme disent nos confrères, qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Sont-ils aussi forts en France qu'ailleurs dans le monde? D'ailleurs, qu'est-ce que le complotisme en tant que tel? Qu'est-ce que le cybercomplotisme? Est-ce qu'il y a une différence entre un complotisme d'obédience privée, bordélique, individualisée, et un complotisme plus politique, plus diplomatique? Beaucoup de questions que donc Pierre et moi allons poser à un invité qui consacre sa vie à pourfendre, et le thème n'est pas fort, donc pas assez fort pour lui, le complotisme. Rudi Reichstadt, bonsoir Rudi. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci pour votre Alors Rudi, invitation. ouais, bon, heureux de t'avoir. Tu es donc le fondateur du site Conspiracy Watch, tu es membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Auteur, on l'a vu dans le générique en 2019, d'un essai extrêmement percutant sur le sujet, l'opium des imbéciles. Tu y défendais l'idée selon laquelle le complotisme n'était pas le fait d'un dérangement mental, d'un simple dérangement mental, hein, mais d'un véritable discours politique qui sapait les fondements de la démocratie. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses, hein, depuis 1 an et demi, 2 ans, le complotisme en ligne et dans la vraie vie, IRL, comme on dit, on peut gagner des parts de marché. On l'a vu avec le phénomène Q aux États-Unis et d'ailleurs partout dans le monde, et avec la montée en puissance plus récemment des anti-vax. Première question donc, pour être un peu frontal sur notre sujet du soir, est-ce que le complotisme, d'après toi, est un phénomène en expansion? Est-ce qu'on peut le cartographier? Est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter? On a intitulé cette table ronde cancer. Est-ce qu'on peut qualifier le complotisme de cancer? Et on en est où à peu près aujourd'hui de son expansion? Alors, ce sont des questions vastes parce que effectivement, la question se pose de savoir si le complotisme est simplement plus visible parce qu'on en parlerait plus, parce qu'on le verrait plus grâce à Internet, ou si le complotisme est constitutif aujourd'hui d'une part substantielle de notre imaginaire politique, plus qu'auparavant. Voilà quels sont les termes du débat sur le sujet. Alors évidemment, on peut se dire que tout ça, finalement, est un effet de loupe et qu'il y a toujours eu du complotisme, ça c'est tout à fait exact. Il n'y en a pas eu d'ailleurs seulement à l'époque moderne, c'est-à-dire depuis le 18e siècle, depuis qu'il y a des théories du complot, on va dire sécularisées. Il y en a eu avant, on a persécuté des gens au nom d'imaginaires complotistes, en les accusant de complot. Brûler les sorcières entre le 15e et le 18e siècle en les accusant d'association avec le démon, en les accusant de complot. On a massacré des juifs pendant la peste noire, y compris en les accusant d'empoisonner les puits, etc. Donc ce sont des vieilles histoires et sans doute que c'est coextensif de l'histoire de l'humanité, ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a des théories du complot, c'est-à-dire des croyances en des complots imaginaires, extravagants, etc. Depuis qu'il y a d'abord des vrais complots, mais aussi depuis qu'il y a des sociétés humaines et des enjeux de pouvoir dans ces sociétés humaines. Donc le fait d'accuser de manière malveillante un adversaire pour lui nuire, ça n'est évidemment pas nouveau. Ce qui est nouveau, me semble-t-il, c'est l'écosystème médiatico-technique, technologique, dans lequel nous baignons. Et qui, à mon sens, c'est l'idée que je défends, offre une chance historique au complotisme, à l'imaginaire conspirationniste, quelle que soit la manière dont on l'appelle. Parce qu'évidemment, ces choses-là existent depuis longtemps, c'est très présent dans notre culture, d'ailleurs, le cinéma, la littérature, les séries,
Il y a une série qui est très marquante de ce point de vue dans les années 90, qui était X-Files, qui est complètement une série qui a popularisé un certain nombre de grands thèmes complotistes, dont Roswell, la CIA, etc. Mais là où c'est nouveau, me semble-t-il, c'est qu'on est baigné dans cet écosystème, en tout cas dans une configuration technique qui donne sa chance au complotisme. Pourquoi? Parce que d'abord, elle repose sur un triptyque qui est le haut débit, le smartphone et les réseaux sociaux. Il faut les penser ensemble, ces trois outils-là. Le haut débit, ça fait d'Internet quelque chose qui est dans nos vies maintenant. C'est pour ça qu'il n'est même pas sûr qu'il faille parler de cybercomplotisme. Il a dit, le complotisme sur Internet, il a des effets in real life, dans la vraie vie. On l'a vu de manière spectaculaire le 6 janvier dernier au Capitole, lorsqu'on a eu des gens, alors certes, qui étaient auparavant organisés, qui étaient pour certains d'entre eux l'avant-garde de forme de fascisme américain, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, si on veut appeler les choses par leur nom, il faut aussi utiliser ce mot-là, se réunir et pénétrer dans l'enceinte du siège du pouvoir législatif américain. Ça n'était jamais arrivé. Dans cette vieille démocratie, et sans doute la plus vieille démocratie occidentale, ça n'était jamais arrivé, c'est une première. C'est pas vraiment un coup d'État, mais c'est en tout cas un événement qui s'est matérialisé par la mort de cinq personnes, ce qui n'est pas rien du tout. Donc là, on voit que, animé par des idées fausses, et parce qu'il voulait croire à un grand mensonge, qui était celui selon lequel l'élection présidentielle américaine a été volée au peuple américain, et bien des gens se sont réunis et ont agi avec violence, avec un passage à l'acte très clair. Donc, est-ce qu'on doit parler de cybercomplotisme? Voilà, c'est même pas sûr, parce que moi, je crois qu'il faut désormais considérer qu'Internet fait partie de nos vies et que derrière les comptes des gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux, il y a des gens en chair et en os qui s'expriment de cette manière-là et qui, parfois, vont dans l'espace public physiquement pour passer à l'acte, véritablement. Donc, le triptyque haut débit, réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux mettent immédiatement en contact quiconque cherche à étancher sa curiosité sur un sujet avec des gens qui, déjà, sont détenteurs d'un savoir sur ce sujet. Ils vont non seulement alimenter la croyance préexistante ou naissante, mais vont galvaniser réellement une personne qui commencerait à basculer dans une vision du monde complotiste. Là où autrefois, on aurait pu être assez largement découragé parce qu'on n'aurait pas trouvé à faire communauté avec des gens qui déjà pensent comme nous et vont du coup nous encourager. Et puis le smartphone, c'est important parce que ça fait potentiellement de chacun de nous des journalistes en puissance, mais que en puissance justement, c'est-à-dire des journalistes sans l'éthique qui va avec. Pourquoi des journalistes? Parce qu'on peut tous produire du contenu, du texte, la vidéo, du son, en permanence, à chaque instant. Donc on peut rapporter des faits, tout ce film, on peut être témoin de toutes sortes de choses et s'exprimer en permanence, et publier son opinion en permanence. C'était pas le cas avant, maintenant c'est possible. Et donc je crois que cette configuration, pour en finir sur ce chapitre-là, est inédite, qu'elle donne sa chance au complotisme. Si je peux me permettre, il y a un exemple majeur qui me vient à l'esprit, c'est celui du platisme. Le platisme, on en parle souvent comme du stade suprême du complotisme, parce qu'effectivement, c'est la théorie du complot à laquelle les platistes arrivent quand ils ont épuisé toutes les autres. D'ailleurs, tous ont le même récit. Personne ne devient platiste du jour au lendemain. Platiste, ça veut dire qu'on croit que la Terre est plate, hein, et pas ronde, et qu'on nous ment là-dessus. Tous les platistes vous disent qu'avant de devenir platistes, ils ont adhéré et cru, et ils y adhèrent encore, à tout un tas d'autres théories du complot. Et un jour, ils disent, si on m'a menti sur tout ça, on a dû aussi me mentir là-dessus. Et donc, il n'est pas impossible que la Terre, effectivement, soit plate, soit une sorte de disque, et pas sphérique. Le platisme, ça existe depuis très longtemps. On sait que la Terre est ronde depuis, déjà dans l'Antiquité, on le disait, mais en tout cas, depuis les temps modernes, on le sait, depuis la Renaissance, donc ça ne se fait pas vraiment de difficulté. Et il existe une société de la Terre plate aux États-Unis depuis les années 50, la Flat Earth Society. Or, ce qui est très intéressant, c'est que cette Flat Earth Society, qui est en fait d'inspiration fondamentaliste, religieuse, en fait, elle n'a eu aucun
rôle dans le développement récent du platisme. Depuis une dizaine d'années, le platisme se développe grâce à quoi? Grâce à YouTube. Si on enlève YouTube et ses algorithmes de l'équation, il n'y a pas de platisme. Très peu, ça reste très résiduel. Or, aujourd'hui, on a des conférences tout autour du globe, justement, de gens qui sont platistes et qui se réunissent et qui font réseau et qui diffusent des vidéos expliquant que la Terre est plate et plus d'heures de vidéos qu'on peut en voir dans toute une vie. Donc, ce phénomène-là, le fait qu'il soit sorti d'une forme de marginalité et de confidentialité extrême, montre bien que l'outil là, technique est absolument déterminant. Je suis désolé d'avoir été aussi long, mais il me semblait important de poser déjà ce cadre-là. Non, mais c'est très bien, ça fixe le cadre, le contexte. La révolution numérique est là, le complotisme va avec. Mais je crois que ce qui est important pour les auditeurs, pour tous ceux qui nous regardent, c'est d'évaluer l'étendue de la menace dans notre pays. Comment peut-on la définir, notamment à l'approche de 2022? Que représente-t-elle? Est-ce qu'elle est incarnée par un mouvement particulier, ou est-ce que ce sont des miettes qui s'expriment et se rassemblent finalement au bout d'un moment dans une même détestation des pouvoirs? Est-ce qu'il y a une menace géographique précise? Voilà, je pense qu'il faut, lorsque Thierry parlait tout à l'heure de cartographie, c'est à cette question-là que nous avons aussi envie de répondre. Ça fait près de 10 ans que tu as créé Conspiracy Watch. Tu es aux premières loges de cette observation. Donc, quelle est l'ampleur de la menace en France? Alors, pour essayer de l'apprécier, on a essayé de faire des enquêtes d'opinion, voilà, qui ne sont pas exclusives d'autres enquêtes qui ont pu être menées dans d'autres pays comparables à la France, aux pays européens, notamment en Angleterre, etc. Et qui arrivent toutes à la même conclusion, c'est-à-dire qu'on est là face à un phénomène qui traverse toute une société démocratique et qui est à la fois tangible et substantiel. Substantiel dans le sens où il concerne une fraction non négligeable de nos sociétés. Alors, comment on peut essayer de l'approcher? Nous, on a fait 3 vagues d'enquêtes d'opinion à l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès en décembre 2017, décembre 2018, mars 2020. Et ce que ça montre, c'est que effectivement, il y a entre 7 et 8 personnes sur 10 qui adhèrent à au moins une théorie du complot. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on voit comment ça se structure, on s'aperçoit que ceux qui croient aucune, une, deux ou trois, sur les 10 qu'on leur propose, par exemple, ont des comportements assez cohérents, assez proches. Là où ça se gâte, là où ça, il y a un vrai effet palier, on le voit cet effet palier parce qu'on croise tout ça avec d'autres données. C'est un peu fastidieux à expliquer là en un peu de temps, mais c'est lorsqu'on passe l'adhésion à 5 théories du complot ou plus quand on en propose 10. Et lorsque des gens qui adhèrent à la moitié des théories du complot qu'on leur propose ou plus que la moitié, là on s'aperçoit que par exemple le groupe de ces personnes-là, qui représente entre un cinquième et un quart de la population, notre échantillon, on s'aperçoit que quand on lui demande si c'est très important de vivre en démocratie, on tombe en dessous de 50%. On a moins de 50% des gens qui répondent que c'est très important de vivre en démocratie. Lorsqu'on leur demande s'ils croient à la voyance, tout d'un coup, ça s'envole. Il y a une progression très linéaire par rapport à ça. Lorsqu'on leur demande s'ils sont créationnistes, là aussi, il y a une corrélation intéressante. Lorsqu'on leur demande s'ils croient au spiritisme, c'est-à-dire qu'on peut entrer en communication avec des personnes mortes, là aussi, il y a une corrélation à partir de la croyance à 5 théories du complot ou plus. Donc, si on resserre la focale sur ceux qui adhèrent de manière substantielle à un nombre des théories du complot qui représentent la moitié ou plus de celles qu'on propose à l'échantillon,
désolé d'être un peu précis, mais c'est important. Eh bien, voilà, ça représente entre 20 et 25%, grosso modo, de la population. Et c'est un chiffre assez cohérent avec ce qu'on observe dans d'autres pays. On a aussi fait le même type d'études en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis. Et on voit que les théories du complot qui suscitent une adhésion ne sont pas toujours les mêmes, ce n'est pas le même classement, mais le degré général d'imaginaire complotiste, on va dire, est assez comparable. Voilà, on est sur des étiages très très comparables. Donc ce n'est pas rien, c'est sans doute, d'ailleurs on sait que c'est corrélé aussi avec l'extrémisme politique, le conspirationnisme, donc sans doute qu'il y a, comment dire, une part incompressible de gens qui voient la réalité de manière radicale, extrémiste, complotiste. Et tout l'enjeu de la démocratie, c'est de faire en sorte que ce groupe-là ne devienne pas majoritaire, ne prenne pas le pouvoir. Lorsqu'il prend le pouvoir, eh bien, il se passe ce qui s'est passé aux États-Unis, je crois. C'est-à-dire que on a un leader populiste qui chauffe à blanc ses partisans, explique ses échecs par un complot interne, hein, c'était le thème de l'état profond que Trump a sorti de sa besace dès le mois de février 2017, c'est-à-dire quelques jours seulement après avoir prêté serment, et puis ça donne des phénomènes comme QAnon, qui est un phénomène quasi religieux, sectaire maintenant, avec une vraie eschatologie, etc. Et ça donne des gens qui refusent la démocratie, l'expression de la souveraineté du peuple. Au nom, et c'est ça qui est fabuleux, au nom de la souveraineté du peuple. C'est-à-dire des gens qui se revendiquent de la démocratie, des libertés du peuple, mais qui disent il faut arrêter de compter les votes. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis entre novembre et janvier, et qui, allant à Washington devant le Capitole, investissent le Capitole. Pourquoi? Pour punir les traîtres. Ça aurait pu finir comme ça, hein. Il y avait des gens dans ces groupes-là qui voulaient quand même exécuter Mike Pence, des leaders républicains et des leaders démocrates. Enfin, voilà, ce qui s'est passé au Capitole quand même le 6 janvier dernier, ça a été très couvert, on en a parlé, mais je ne suis pas sûr qu'on ait pris la mesure de la gravité de ce qui s'est passé tout de même, hein, parce que si tout cela avait réussi, si vraiment le processus avait été interrompu, que se serait-il passé? Moi, je crois que l'Amérique a fait la démonstration qu'elle a des institutions assez fortes, qui ont tenu. Est-ce que les institutions d'autres démocraties occidentales sont aussi solides? Je n'ai pas la réponse à cette question. Et s'agissant de la France, qui vit quand même dans un régime qui est né d'une crise politique, l'Algérie, 13 mai 58, le retour au pouvoir du général de Gaulle, c'est-à-dire qu'il y avait une république qui n'a pas pu absorber le choc de la guerre d'Algérie et qui a dû donc changer de régime dans des conditions tout de même très discutables, on peut le dire avec le recul, mais très discutables. Est-ce que nous, Français, nous avons des institutions aussi résistantes et aussi solides? Voilà. Donc voilà où est la menace de mon point de vue. Maintenant, est-ce que des camps politiques utilisent le complotisme? Oui. Il y a un candidat récurrent qui fait sourire aux élections présidentielles françaises depuis plus de 25 ans, qui est Jacques Cheminade. Jacques Cheminade, c'est chef de la branche française d'un mouvement international qui est politico-sectaire, qui est un mouvement qui s'appelle le mouvement larouchiste. En France, ça s'appelle Solidarité et Progrès. Et Jacques Cheminade utilise évidemment ce thème, cet imaginaire complotiste. Mais il n'a pas beaucoup d'influence. Et un autre leader, un autre entrepreneur de politisation souverainiste, en l'occurrence, qui a compris tout le parti et tout le profit politique qu'il pouvait tirer de cet imaginaire, c'est François Asselineau, qui était candidat aux dernières élections présidentielles en 2017. Mais François Asselineau lui-même et ses partisans ne font pas plus d'1% dans les urnes. Il n'arrive pas à convertir ce capital politique en suffrage. Et puis, on a d'autres leaders, souverainistes aussi d'ailleurs, qui sont positionnés sur ces thèmes-là, ces thématiques-là, notamment l'anti-vaccination, c'est le cas de Nicolas Dupont-Aignan, c'est le cas très clairement ces derniers mois de Florian Philippot, l'ancien numéro du Front National, qui est maintenant à la tête d'un petit parti souverainiste qui s'appelle le Patriote,
et qui, là, très clairement, a pris un virage complotiste. C'est-à-dire qu'il parle à cette frange radicalisée qui estime que nous vivons en dictature sanitaire, que les vaccins ne sont pas sûrs, que l'origine du virus n'est pas connue, qu'elle est, tout ça est probablement artificiel, enfin voilà, tout ce qu'on a connu en 2020. Au-delà de cela, on a des leaders politiques qui parfois vont sur ce terrain-là, alors en faisant attention de ne pas trop y aller. C'est le cas de Marine Le Pen parce qu'elle a une respectabilité à défendre, elle envisage quand même de gouverner. C'est le cas, je dois le dire, de Jean-Luc Mélenchon aussi. Et puis, dans le reste de la classe politique, assez peu recours à cet imaginaire-là, sauf de manière, vous parlez de conspirationniste de basse intensité, c'est-à-dire lorsqu'on a un leader politique qui est le dos au mur, qui, dans une sorte de complotisme d'autodéfense, va se mettre à dire que tout ça est un coup monté, etc. Alors là, ça va de Nicolas Sarkozy à François Bayrou, en passant par des gens de droite, de gauche. Rappelez-vous, par exemple, la réaction immédiate des gens de sensibilité socialiste au moment de l'affaire Strauss-Kahn en 2011, au moment où on apprend ce qui s'est passé à New York, etc. Immédiatement, il y a un sondage dans les deux jours, soit plus de 70% quand même des sympathisants socialistes croyaient à un complot. Donc, sans doute plus vrai une semaine, deux semaines après ou des mois après, mais sur le moment, ce qui vient à l'esprit, c'est que ça n'est pas possible, que tout ça est forcément un coup monté. Donc, et là, pardon Rudy, oui, mais la répartition sur le spectre politique, finalement, nous montre qu'il n'y a pas de concentration possible de ces 20 à 25% de la population qui, aujourd'hui, adhèrent aux théories du complot. Leur dispersion ne représente pas véritablement un danger, si je t'entends. Non, alors tout de même, on a une courbe en U qu'on retrouve en U parce que les extrêmes des deux côtés du spectre politique sont surreprésentés par rapport à la moyenne, qu'on retrouve sur un certain nombre de grands items complotistes, c'est-à-dire les Illuminati, le complotionnisme mondial, le 11 septembre, un coup américain, un coup interne, etc. Ça, on a des sympathisants LFI et encore plus RN qui sont en général surreprésenté. Lorsqu'on a demandé en mars 2020 si le nouveau coronavirus était artificiel, avait été fabriqué en laboratoire, on était à 26% en moyenne dans l'opinion. Et pour toutes les sensibilités politiques, on était à 26 ou en dessous de 26, ou très significativement en dessous de 26, sauf pour une sensibilité, les sympathisants RN, qui là étaient à 55%. 55. Et il y a d'autres données issues du deuxième sondage qu'on a fait le 21 et le 23 décembre 2018, c'est-à-dire 5 semaines après le début du mouvement des Gilets jaunes, où lorsqu'on demandait aux gens s'ils se sentaient Gilets jaunes, ces gens-là étaient deux fois plus perméables aux idées conspirationnistes que l'échantillon moyen. Là où, par exemple, en moyenne, on est 22% des Français qui disaient oui. Il existe un complot sioniste à l'échelle mondiale. On n'était pas à 22% chez les Gilets jaunes, on était à 44%. Donc, il y a quand même une variable politique là, qui est assez prédictive. Ça ne se distribue pas également. Quand je disais que le complotisme comme ressource discursive était utilisé par tout le champ politique, c'est vrai, mais pas avec la même intensité. Voilà. Grosso modo, plus on se rapproche du centre, moins on croit aux choses délirantes, aux chemtrails, aux Illuminati, aux complots maçonniques, etc. Voilà. Tu semblais dire tout à l'heure que le complot ultime, quelque part, c'était le platisme, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a épuisé tout le reste, on finit par arriver sur l'absurdité absolue qui consiste à dire que la Terre est un disque. Mais est-ce que on peut corréler ça à une idéologie ? En fait, bon, malgré tout, si on te suit, certes, il y a eu des socialos pendant l'affaire Strauss-Kahn, mais globalement, c'est quand même plutôt quelque chose d'anti-système, voire d'extrême droite. Dans une interview que tu avais donnée d'ailleurs chez Uzbek Erika il y a quelques mois, tu disais que
le complotisme pouvait être d'extrême gauche ou d'extrême droite, mais que son point commun, vraiment, c'était la question, tu l'as à peine évoqué tout à l'heure, la question de l'antisionisme. En fait, c'était l'antisémitisme, et tu le disais tel quel. En gros, est-ce qu'on peut tirer un trait entre quelques points épars qui vont de la terre plate à l'antisémitisme en passant par l'antisystème global? Peut-être que cette question, elle est difficile à aborder parce qu'elle correspond à des catégories anciennes. Et j'ai le sentiment, en t'écoutant, qu'il y a des nouvelles catégories et qu'il faudrait inventer un nouveau vocabulaire pour caractériser cette espèce de, je dirais pas d'idéologie, mais en tout cas de vision du monde. Écoute, tu soulèves un point important sur le discours anti-système, c'est que plus on s'éloigne du centre du spectre politique, organisé selon un axe classique droite-gauche, et plus les gens qu'on trouve ne se représentent pas le champ politique organisé selon le clivage droite-gauche. Eux le pensent plutôt dans une forme centre-périphérie. Ils estiment être eux en périphérie. Et donc l'idée, c'est d'attaquer le système qui constitue le centre, le cœur du pouvoir, pour le remplacer en fait en réalité par un autre système qui leur serait plus favorable, puisqu'on ne détruit réellement que ce qu'on remplace. Mais donc effectivement, ça donne des attelages tout à fait improbables. On a la liste antisioniste de Dieudonné en 2009, où on a des gens qui viennent d'horizons très très divers, très différents. De l'écologie, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, de l'extrême droite la plus dure, parfois de l'extrême gauche trotskiste, etc. Et des gens qui ne viennent pas d'ailleurs des extrêmes. Bon. Donc, comment expliquer ça? Eh bien, c'est que le conspirationnisme, cet imaginaire complotiste, il est très souvent celui des outsiders, ceux qui ne sont pas représentés dans le champ politique classique, qui s'estiment en être exclus, et en être exclus pour des mauvaises raisons, et notamment parce qu'il y aurait un complot contre eux. Ce n'est pas qu'ils n'arrivent pas à convaincre leurs semblables, leurs concitoyens du bien fondé de leurs opinions, c'est que le système est verrouillé de telle sorte que leurs opinions ne peuvent pas réellement avoir droit de cité. D'accord ? Ça, l'un des pionniers de la réflexion sur le conspirationnisme, l'auteur du style paranoïaque, Richard Hofstetter, le disait déjà. Il disait, si les extrêmes sont si perméables à cet imaginaire paranoïaque, c'est parce que presque ils estiment qu'il y a un complot contre eux. Bon. Donc, il faut bien voir que ces extrémistes pensent plutôt en termes de centre-périphérie. Donc, finalement, si sur la périphérie, ils trouvent des compagnons de route qui ne sont pas de la même, comment dire, qui ne partagent pas forcément des valeurs avec eux, mais qui ont le même but qu'eux, alors ils peuvent faire un bout de chemin avec eux. C'est pendant le mouvement des Gilets jaunes, Éric Hazan, qui explique par exemple que oui, c'est bien que l'ennemi de mon ennemi n'est pas forcément mon ami, mais quand même. Et du coup, ça justifie l'éditeur. Pardon ? L'éditeur. L'éditeur Éric Hazan, d'extrême gauche, hein, très, très clairement. Et il dit mais on peut quand même faire un bout de chemin avec eux, quoi. Enfin, il légitimise cette idée-là. Donc ça, c'est la première chose, système anti-système. Tu me demandais si le platisme était quelque chose qui concerne… Est-ce que n'importe qui peut devenir platiste? En général, c'est plutôt quand même des gens… c'est plutôt je me rappelle d'un témoignage qui était opposé à un article de Vice… un platiste qui expliquait que lui, il est rentré là-dedans après avoir commencé à militer pour Donald Trump. Hein, ce n'est pas quelqu'un qui militait pour Hillary Clinton. Donc, je ne dis pas qu'il y a un automatisme, que les choses sont aussi simples que ça, qu'il y a une ligne droite entre populisme et complotisme. Mais ça va quand même ensemble, quoi. C'est quand même très lié. Et puis, l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est vrai que c'est très, en tout cas, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, quoi, l'antisémitisme, quand on s'intéresse à la complotosphère. C'est à peu près toujours là. Mais pourquoi? Parce que, d'abord, l'antisémitisme moderne, tel qu'on le conçoit depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est un complotisme. C'est-à-dire que le principal grief qui est fait aux Juifs, c'est d'avoir un plan de domination du monde. Voilà. C'est de vouloir mettre à bas
la culture chrétienne, les valeurs, notamment, de la société occidentale. Donc, il y a quelque chose qui fait peur, pour un tas de raisons qu'on pourrait développer si ça vous intéresse. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que, et c'est l'un des historiens de l'antisémitisme, Walter Laker, qui l'avait formulé comme cela, l'antisémitisme moderne doit encore plus à l'idée de complot qu'à l'idée de race. C'est plus presque un complotisme qu'un racialisme, qu'un racisme. Donc, que le complotisme soit présent dans l'antisémitisme, c'est normal, c'est classique, c'est presque consubstantiel à l'antisémitisme. Si on enlève le complotisme de l'antisémitisme, il ne reste pas grand-chose, d'une certaine manière. Il reste des préjugés anti-juifs, anti-judaïques, liés au christianisme, etc. Notamment, mais fondamentalement, la haine anti-juive, elle s'appuie là-dessus. Maintenant, est-ce que tous les complotismes sont par définition antisémites? Non, pas du tout. En Israël, il y a des complotistes qui vous disent, par exemple, que Yitzhak Rabin a été assassiné par un complot de la gauche, de Shimon Peres, etc. Ils sont d'extrême droite, ils ne sont pas antisémites, hein, mais ils sont complotistes, complètement. C'est un discours, le complotiste, qui peut être mis au service d'idées et de camps politiques tout à fait divers, même rivaux, opposés. Simplement, effectivement, dans la culture complotiste ou la sous-culture complotiste contemporaine, l'antisémitisme n'est jamais très loin, c'est vrai. On observe, il suffit de gratter un peu, parfois il est très euphémisé, mais dans toute la théorie, par exemple, sur les reptiliens, je ne sais pas si Uzbek-Erika vous en avez parlé de ça, des reptiliens de David Icke, etc. David Icke, c'est un ancien footballeur, animateur britannique qui a un peu milité à la fin des années 80 pour les partis écologistes, et qui, au début des années 90, a fait un bouquin dénoncé comme néo-nazi, parce qu'effectivement, il se référait au protocole des sages de Sion, etc. Mais il expliquait que ce n'était pas vraiment les Juifs. Le problème, qu'en réalité, les Juifs, c'est des reptiliens, en fait, et que les maîtres du monde sont des extraterrestres reptiliens venus d'une autre galaxie qui ont pris forme humaine, ou qui se sont mélangés avec l'espèce humaine, enfin voilà, et qu'en gros, tous nos dirigeants, la reine d'Angleterre, Barack Obama, etc., sont tous des reptiliens, un peu comme dans V, quoi, comme dans la série V. David Icke, c'est quelqu'un qui, depuis 30 ans, vit là-dessus, s'est fait un petit business du complotisme, vend des livres, fait des conférences. Il passe en France, d'ailleurs, à Paris, je crois, au Zénith, en septembre. C'est très sérieux, hein, ce que je dis. Hein. Il est quasiment comme le Dalai Lama, quoi. Hein. Un peu, enfin, c'est pas exagéré, c'est quand même pas... mais c'est 53 euros la place. Et voilà, il y a des gens qui vont payer leur ticket pour aller écouter David Icke expliquer pourquoi nous sommes dans la matrice et pourquoi nous sommes dirigés par des reptiliens. Voilà. Et donc voilà, cet antisémitisme est souvent euphémisé, mais parfois quand même il y a des sortes d'éruptions, comme des éruptions volcaniques, des remontées comme ça, très très claires, quoi. On l'a vu très récemment, par exemple, avec un groupe de youtubeurs complotistes, covidosceptiques, qui tout d'un coup se mettent à commenter un rapport et commencent à égrener une liste de noms à consonance juive qu'il y a dans un rapport qui parle de vaccination, etc. Enfin, et en disant, mais quand même, il y en a beaucoup. c'est insensé, quoi. Donc voilà. Donc, il reste une autre question, enfin il y en a beaucoup, mais une autre question, notamment à l'approche de 2022, est-ce que cet univers complotiste peut être utilisé par un État pour influencer le résultat d'élections voilà. Et donc notre regard se tourne immédiatement, évidemment. Ne me regarde pas moi. Non, je ne te regarde pas toi, mais vers la Russie. Autrement dit, est-ce que c'est une arme au service des États qui peut être aujourd'hui utilisée et qui l'est ou pas? C'est une arme de diversion pour l'intérieur, de déstabilisation pour l'extérieur. De diversion parce que lorsqu'on a des régimes autoritaires, que ce soit dans l'espace post-soviétique ou ailleurs, qui sont contestés, qui se heurtent à une opposition interne. On l'a vu en Russie, mais on l'a vu en Géorgie, en Ukraine, en Biélorussie, on l'a vu à Hong Kong, qui se passe à Hong Kong. Systématiquement, on a un schéma qui est plaqué
immédiatement, qui est celui de la déstabilisation de la cinquième colonne. Voilà. C'est-à-dire que ça consiste à dire que les gens qui se soulèvent, ça a été par exemple la lecture qu'ont faite les complotistes des printemps arabes, il y a 10 ans. L'idée était de dire non, ces soulèvements ne sont pas des vrais soulèvements, ce sont des soulèvements artificiels qui sont en réalité encouragés, financés, en gros, par George Soros et les États-Unis d'Amérique et la CIA. Donc, ce ne sont pas des vrais manifestants, ce sont des gens qui sont manipulés. Et tout ça est orchestré depuis Washington. Voilà. Ça, c'est une manière, en fait, de redoubler la violence policière, physique, en tout cas militaire, parfois, qui est infligée à ces manifestants, à des gens qui se soulèvent pour défendre leur liberté, leurs droits, qui luttent contre la corruption, etc. C'est une manière de vider leur cause et leur mobilisation de sa substance, de dire « ça n'existe pas », et donc de redoubler la violence physique d'une violence symbolique, en disant « mais tout ça, de toute façon, ce n'est pas une contestation réelle ». C'est ce qu'on a commencé à appeler les révolutions de couleur. Au départ, les révolutions de couleur, c'était une expression à moitié goguenarde, à moitié ironique, et qui avait un côté un peu lyrique aussi. Pour dire, ben voilà, on a des gens qui s'habillent tout en orange ou tout en rouge et qui n'ont pas d'autre revendication que de mettre fin à ce régime autoritaire et puis de rétablir ou d'accéder à la démocratie. Ce qui en soi est déjà un très bel objectif. Absolument. Et immédiatement, la réaction des régimes au pouvoir, qui s'accrochaient au pouvoir, était de dire, non mais en fait, les révolutions de couleur, ce sont des coups d'État soft. C'est-à-dire des coups d'État sans armée, sans violence, etc. Mais en fait, tout ça est fomenté depuis Washington. Donc attention, c'est juste une manœuvre de déstabilisation. Donc là, on peut commencer à dire, bah, vous les manifestants, votre cause n'est pas légitime. En fait, vous travaillez pour une puissance étrangère, donc vous êtes des agents de l'étranger. Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce qui se repasse à Hong Kong depuis que les gens se soulèvent contre cette loi, notamment qui permet... d'extrader les gens qui sont condamnés à Hong Kong en Chine. Et puis, il y a l'arme de la désinformation, pas seulement la désinformation complotiste, mais notamment la désinformation complotiste, qui fait partie de l'arsenal de la guerre de l'information, y compris pour déstabiliser les démocraties occidentales. Et cette arme-là, elle est très clairement utilisée à travers un réseau de médias qui sont directement contrôlés par le Kremlin, et je pense à Sputnik et Russia Today, le réseau RT, qui a ses déclinaisons en France depuis 3-4 ans maintenant, 4 ans, de France. Il s'agit de couvrir l'actualité sous un angle très particulier. En français, par exemple, le slogan de RT France, c'est « oser questionner ». En anglais, c'est « question more ». Questionner, mais plus, aller au-delà. Et l'angle est très clairement de donner la parole à tout ce qui vient, à tout propos disruptif, à tout ce qui vient jeter l'huile sur le feu, à tout ce qui renvoie de la société française l'image d'une société en décomposition, en déliquescence, où il n'y a plus d'autorité, où une image très très noire de la France, mais également de l'Amérique, enfin des démocraties occidentales. Et en revanche, de ne pas parler de ce qui se passe en Russie, de le couvrir de manière extrêmement peu professionnelle. L'idée est de faire en sorte que les gens qui écoutent Sputnik ou RT ne sachent pas trop ce qui se passe là-bas, en réalité. Et puis, il y a l'arme du complotisme qui permet là aussi, de faire diversion, pas seulement par rapport à des contestations internes, mais lorsque Boris Nemtsov a été assassiné sur la place Rouge, à proximité du Kremlin, on a immédiatement vu surgir tout un tas de récits très différents entre eux, pas forcément d'ailleurs cohérents entre eux, mais expliquant que tout ça est une provocation étrangère, que la vérité est partout, mais sauf là où on voudrait qu'elle soit. C'est-à-dire, en gros, ça n'a rien à voir avec Poutine. Tout ça vient de l'Ukraine, des États-Unis, etc. Pareil pour l'affaire Skripal, la tentative d'empoisonnement de cet ancien espion russe Skripal, Sergei Skripal, en Grande-Bretagne. Pareil pour la tentative d'empoisonnement d'Alexei Navalny, plus récemment.
Idem concernant le crash du MH17. Bon, là aussi, on pourrait développer, mais vraiment, le complotisme est à la fois utilisé comme arme de diversion et comme arme de déstabilisation. Alors, il y a quand même il faut savoir que tout ça a été théorisé par des idéologues russes. Alexandre Douguine a écrit des pages sur le sujet, la guerre de l'information. Dès les années 80, par exemple, on a, avec l'apparition du sida, donc on ne sait pas encore exactement ce que c'est une nouvelle forme de cancer, mais qui touche, extrêmement virulente, et qui touche les Noirs et les homosexuels, essentiellement, à l'époque. Donc on ne sait pas ce que c'est, et commence à se développer la rumeur sur laquelle, en fait, ce serait une arme biologique à la fois homophobe et raciste. Et cette rumeur n'est pas, a priori, on ne peut pas affirmer que cette rumeur a été créée par les services soviétiques. En revanche, ce qu'on sait, et qui est bien documenté, c'est qu'elle a été amplifiée par les services soviétiques, et en particulier par le KGB, et on le sait parce que la condition pour reprendre la recherche sur le sida après la chute de l'Union soviétique, la condition posée par les Américains, ça a été de dire vous déclassifiez vos archives liées à ces opérations d'intoxication pendant les années 80 liées au sida. Ce que les Russes des années 90 ont accepté. Du coup, on a des historiens qui ont pu exploiter tout ce matériel issu des archives du KGB sur une véritable opération d'intoxication à grande échelle de l'opinion pour expliquer qu'en fait le sida était une arme biologique américaine créée à Fort Detrick, dans un laboratoire militaire américain, etc. Donc, il y a quelque part un savoir-faire là-dessus. Et puis après, il y a la question de la déstabilisation des processus démocratiques électoraux, en 2016 en particulier aux États-Unis. La preuve n'a jamais été apportée que, d'ailleurs c'est une thèse un peu saugrenue, que Donald Trump serait un agent russe. En revanche, que la Russie ait essayé de pousser Trump contre Clinton, ça paraît là aussi assez bien documenté, assez bien établi, des arrestations quand même, une espionne russe qui a reconnu les faits, on a le rapport Mueller qui parle abondamment de tout cela, donc on n'est pas dans le fantasme là, on est dans une véritable opération de déstabilisation. Rudy, bon, évidemment on te pose mille fois la question en tant que spécialiste de la chose, par ailleurs ça fait maintenant longtemps que tu observes l'expansion du conspirationnisme. Donc, comment on lutte contre ça? D'autant que, enfin, c'est d'autant plus difficile que ce que tu disais en introduction, c'est que c'est vraiment assis sur la techno. Et la technologie ne cesse de s'améliorer. Récemment, on a vu le fameux deepfake de Tom Cruise, le mec ressemblait à s'y méprendre, évidemment, à Tom Cruise. Et est-ce que tu n'as pas le sentiment, toi, déjà, de vider la mer avec une petite cuillère? Et comment, j'allais dire, comment faire pour t'aider? Comment on peut tous collectivement, nous qui sommes, j'allais dire, au creux de cette forme en U, comment on fait dès lors que ce n'est pas une blague, dès lors que ce n'est pas seulement un problème d'idéologie, de confrontation entre des points de vue du haut de ton expérience, oui, ça fait maintenant 10 ans, quelle est selon toi la méthode peut-être la plus efficace? D'abord, il n'est pas dit que une partie de la solution ne viendra pas de la technologie et de la technique. Il ne faut pas être technophobe. On a dit dans les années 30 que c'est la radio qui avait fait Hitler, mais elle a fait Roosevelt aussi. Et puis la radio, ce n'est pas un objet nazi en soi. Donc, ça, Internet n'a pas, qui est quand même un outil dont on pourrait juste passer. Quand tu regardes par exemple tous les docus sur Reopen 9-11, l'ingéniosité de ceux qui produisent ce type de documentaire n'a pas de limite. Donc, je comprends bien que on peut utiliser les mêmes armes, clairement, on est en plus baigné, je crois, dans des sociétés où on est habitué à mater. Bah, tu parlais de V pour les plus anciens, Men in Black, et ainsi de suite. Tout bon film a un complot quelque part, et parfois le complot est avéré. Oui, mais c'est à nous justement d'apprendre à domestiquer ça et de continuer à essayer de bien distinguer la réalité de la fiction.
Alors, des complots réels, il y en a eu, il y en a probablement, il y en aura encore. C'est pas le problème, c'est pas un problème que de le reconnaître, puisque en partie, un certain nombre de théories du complot procèdent d'opérations de manipulation qu'on peut tout à fait, qui s'apparentent à des complots. Donc, il ne s'agit pas de dire, quand on critique le complotisme, de dire que les complots n'existent pas. Mais il s'agit de dire que, quand même, à côté des vrais complots, des complots qui ont en partie fait l'histoire, mais pas seulement, eh bien, des théories du complot, des mythes complotistes, des affabulations complotistes ont aussi fait l'histoire, ont aussi mobilisé les hommes, les ont poussés à agir, et parfois avec des conséquences absolument funestes. Donc ça, on peut déjà en avoir conscience. Pour ceux qui n'auraient pas à l'esprit, ces choses-là sont quand même dangereuses. Ce n'est pas des petites histoires rigolotes. Là, je te rejoins complètement là-dessus. Ensuite, il faut dire qu'avant nous, d'autres se sont laissés avoir, se sont laissés duper par ces choses-là. Donc, ne reproduisons pas cela. Donc, déjà, savoir que ça existe, réussir à les identifier, ces théories du complot, c'est une manière de commencer à s'en prémunir. Et ensuite, je crois que il faut bien avoir conscience que, on parlait des plateformes, des réseaux sociaux tout à l'heure, le modèle économique de ces plateformes, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Notre attention, le temps qu'on passe connecté sur ces plateformes, c'est du temps qui se convertit en revenus pour ces plateformes. C'est leur modèle économique. Donc, elles ont intérêt à maximiser, à optimiser le temps qu'on passe chez elles, connectées. Et c'est pour cela qu'elles poussent aussi et qu'elles recommandent par leurs algorithmes des vidéos et des contenus complotistes, parce que ce sont des contenus particulièrement sensationnalistes. Elles n'ont pas de ligne éditoriale, ces plateformes, mais elles voient bien ce qui marche et ce qui marche moins. Et les contenus complotistes marchent. Pourquoi? Parce qu'ils ont une efficace propre qui est liée à leur effet dévoilement. Lorsqu'on adhère à une théorie du complot, on a l'impression d'avoir compris quelque chose que les autres n'ont pas compris, donc être plus intelligent que les autres. On a un vrai plaisir cognitif quand même qui est associé à ça. Tout se met en place, quoi. Tout d'un coup, des choses qui n'étaient pas connectées entre elles le sont. Et puis, ça va te perdre, en plus, ça te paraît intellectuel. C'est beaucoup plus facile d'adhérer à un schéma très manichéen avec des gentils et des méchants plutôt que de dire ouais, des choses qui m'échappent, je ne comprends pas tout et voilà, la connaissance n'est que provisoire. Là, au moins, on a un point final. La théorie du complot, elle nous libère d'une charge mentale intellectuelle de ce point de vue. Ce que je veux dire, c'est que vivre avec un champ de questionnement ouvert en permanence, c'est compliqué, c'est fatigant, c'est usant. La théorie du complot, comme toute autre croyance, elle a cet avantage de fermer le champ du questionnement, de le clore, et de dire, ben voilà, la réponse, tu l'as, c'est le complot des Illuminati, des reptiliens, des sionistes, de ce que tu veux. Oui, mais le modèle économique de ces plateformes n'a aucune raison de se modifier, puisque aujourd'hui, ce modèle économique est gagnant. En attrapant de plus en plus de gens et en faisant en sorte qu'on passe de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux. C'est le phénomène, évidemment, des algorithmes. Donc, tu disais tout à l'heure que, après tout, la solution peut venir de la technologie. Oui, laquelle? En termes de réflexion, parce qu'il ne faut pas espérer que les plateformes s'autorégulent elles-mêmes. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et c'est pour ça que là où ce modèle commence à menacer sérieusement la démocratie, il faut que la démocratie puisse avoir son mot à dire sur tout cela, et donc réguler. Et si les plateformes ne veulent pas être régulées, ben, qu'on leur torde le poignet pour qu'elles entrent dans le... Voilà. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de la question des plateformes, il y a celle des auteurs, de ces propos, de ces contenus, qu'il faut traiter évidemment, il ne faut pas les vider, en tout cas... Faut pas oublier qu'ils ont une responsabilité, il faut s'y intéresser aussi. J'y reviendrai si vous voulez après. Et puis celle des utilisateurs, des citoyens, le plus grand nombre que nous sommes. Et là, je crois que nous avons une responsabilité en tant que citoyens. Une responsabilité, par exemple, de ne pas partager un contenu qu'on n'a pas consulté auparavant. Alors, il y a les deux tiers des contenus qui sont partagés sur les réseaux sociaux qui n'ont même pas été ouverts préalablement, par exemple. La responsabilité aussi de ne pas partager des contenus lançant des accusations délirantes. Ça s'est passé plusieurs fois pendant le confinement, notamment en 2020.
une vidéo, par exemple, 20 minutes, qui accusait l'Institut Pasteur d'avoir fabriqué le virus. Une vidéo qui a été postée le 17 mars 2020, c'est le premier jour du confinement, il y a un an et une semaine, et un peu moins d'une semaine. 20 minutes d'une vidéo comme celle-là, c'est 20 minutes de prix sur la bonne information. En 20 minutes, on peut lire 4 articles du Monde, par exemple, c'est-à-dire un contenu à haute valeur ajoutée informationnelle et même intellectuelle. Faire le choix de consacrer ce temps d'attention à une vidéo absurde, débile et fausse et mensongère, ça nous engage aussi comme citoyens, c'est ça que je veux dire. Et là, c'est à nous, à chacun de nous, de dire à ceux qui nous envoient ce genre de vidéo, stop, arrêtez de m'envoyer ça. Et presque de leur faire un peu honte. Parce que sinon, on n'en sortira pas, en fait. Si on ne change pas notre regard sur le complotisme, si on continue d'être très indulgent, très complaisant avec cela, il ne s'agit pas de se lancer dans une croisade ou une chasse aux sorcières, pas du tout, mais au moins d'installer des digues, d'installer des garde-fous qui font que, collectivement, on refuse de laisser passer ce genre de choses. Voilà. Et juste pour évoquer la question de la responsabilité des théoriciens du complot, là, de ceux qui mettent en circulation ces contenus, qui les produisent, etc., là aussi, je crois que la question des plateformes ne doit pas épuiser celle-ci. Et celle-ci, je crois que on doit en partie aller vers, en tout cas donner les outils à des ONG dont le but est de lutter contre la désinformation, justement, eh bien de pouvoir se porter partie civile pour poursuivre en justice des auteurs de contenus complotistes qui portent des accusations très graves, qui aujourd'hui sont dans une sorte d'espace d'extraterritorialité juridique qui font que, dans les faits, ils n'ont jamais à rendre le moindre compte de ce qu'ils disent et des accusations dangereuses qu'ils portent. Eh bien, moi, je pense qu'à un moment, on devrait leur dire, bah non, là, vous êtes en train de fabriquer, de diffuser une fausse information qui peut avoir des effets, par exemple, en matière de troubles à l'ordre public. Et ces fausses informations, dans notre droit, aujourd'hui, et depuis 1881, depuis 140 ans quand même, c'est pénalisé. La production, la diffusion de fausses nouvelles qui sont simplement susceptibles de troubler la tranquillité publique sont pénalisées d'une amende. Donc, activons cette disposition, permettons à des ONG de se constituer partie civile et puis donc de régler ça devant un tribunal avec le respect du contradictoire, etc. Et un juge tranchera. Voilà. Mais au moins, en ce moment nous apporte de l'eau à notre moulin à nous, c'est le succès des vaccins. On se rend compte que partout où les vaccins sont utilisés massivement, alors on parlait d'Israël tout à l'heure, tout à coup il y a eu un concert, tout à coup ça fonctionne, ça marche. Mais moi je suis convaincu que je suis convaincu, c'est peut-être un peu léger de le dire comme ça, mais je pense qu'on ne peut pas rabattre la défiance anti-vaccinale sur l'hésitation vaccinale et que une partie de l'hésitation vaccinale va refluer. J'ai expliqué à ma grand-mère en décembre qu'il fallait qu'elle se fasse vacciner, elle était assez réticente parce qu'elle avait entendu que ce ne serait pas sûr, que compte tenu de son âge, c'est quand même dangereux de se faire injecter un produit. Et finalement, voyant que quand même d'autres personnes dans d'autres pays ont se vaccine et qu'il n'y a pas d'effet secondaire grave, elle a accepté de se faire vacciner. Donc elle a été accessible à des arguments raisonnables. Donc, il ne faut pas penser que c'est irréversible. Même les théories du complot, d'ailleurs, il y a des vagues et puis il y a des reflux. C'est jamais. Il y a des théories du complot qui sont apparues, qui ont vécu et qui ont disparu. En grande partie, par exemple, la théorie du complot dont parlait Edgar Morin à la fin des années 60 sur c'était la rumeur d'Orléans, l'idée qu'en fait, dans les boutiques de fringues, les femmes disparaissaient dans les cabines d'essayage et puis elles alimentaient un vaste trafic attention à des traînées blanches, etc. Alors, ça a eu lieu à Orléans et dans d'autres communes françaises. C'est vraiment une rumeur française. C'est une rumeur qui s'est tarie quand même, qui n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus
beaucoup de gens qui croient à ça, vraiment. Voilà. Il nous reste 4 minutes avant de terminer notre émission. Il y a une appétence pour le journalisme d'investigation aujourd'hui et une forte demande de transparence. Mais le résultat souvent de l'investigation, est-ce que ce n'est pas paradoxalement de renforcer le complot ? D'une certaine manière, quand même, les entreprises qui trichent, les mensonges d'État, tout ça, ça existe. Alors, rassure-nous, on doit pouvoir faire oui. La différence. Oui, et oui, mais on doit évidemment pouvoir faire la différence. Alors après, il y a une manière de le faire. Toutes les enquêtes d'investigation, je pense notamment à certains reportages, certains docus, sont pas exempts de ce style un peu paranoïaque, un peu complotiste, très accusateur. Bon, mais la plupart du temps, c'est fait avec, avec rigueur. Et puis surtout, il y a des faits qui sont apportés des preuves. Donc, c'est la grande différence avec quand même les contenus complotistes qui avancent par la méthode de la conglobation, quoi, qui consiste à faire un millefeuille comme ça d'arguments qui pris séparément prouvent rien et qui présentés ensemble en fait produisent une sorte d'effet d'intimidation très fort qui fait qu'on se dit tout ne peut pas être faux, il n'y a pas de fumée sans feu, etc. Non, dans un reportage d'investigation fait sérieusement et avec rigueur, on a des preuves, on a des documents, on a des témoignages, on a des choses assez solides. Donc, là aussi, on doit apprendre, si ce n'est pas le cas, à penser la complexité du pouvoir de certaines entreprises, du pouvoir politique aussi. Oui, c'est vrai, les hommes politiques, leur but et leur mission, d'ailleurs, ce n'est pas de dire le vrai. On demande ça aux scientifiques, on demande ça aux journalistes. Un homme politique, on lui demande de gouverner. Et si, pour gouverner, il a besoin de jouer un peu la comédie, de jouer un rôle, de maquiller la réalité, de prendre des distances avec les faits, finalement, c'est assez secondaire. Alors, on le vit avec une tension particulière dans les régimes démocratiques, et c'est bien normal, mais le pouvoir, il n'y a pas de pouvoir s'il n'y a pas des poches d'opacité, s'il n'y a pas un peu de secret, s'il n'y a pas, de l'opaque. Donc, et parce que ça fait partie du pouvoir, en fait. Ça n'existe pas en dehors de cela. Le pouvoir est mis en scène. Il est en scène par définition. Alors, quand on va voir une pièce de théâtre, est-ce qu'on va voir des gens qui nous mentent ? Non, on voit des gens qui jouent la comédie. Un peu différent. Le pouvoir politique, c'est un peu pareil en démocratie. Il faut apprendre à penser ça, et à penser le mensonge et la liberté, le mensonge et la démocratie. Et voilà. C'est des questions qui mènent très loin, mais évidemment, on ne luttera pas contre le complotisme, si c'est ça la question, par la naïveté ou au prix de la naïveté. Il ne faut pas être naïf, au contraire, il faut exercer son esprit critique, et donc aussi à l'encontre des théories du complot. Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter, apprendre à penser. La complexité, c'est ce que nous venons de faire avec toi, Rudi Rechtag. Je signale le livre qui a eu un grand succès, L'opium des imbéciles. Et puis, je voudrais remercier évidemment Jacques Dess, le patron de la librairie. Les libraires associés, dans le 18e, un très beau lieu que je vous recommande. Et nous vous donnons rendez-vous à la fin du mois d'avril pour une nouvelle conférence, mais cette fois autour de la fraternité avec un philosophe dont nous vous donnerons le nom prochainement. Merci. Merci Rudi, salut à tous. Merci à tous. Beaucoup Thierry, merci Pierre. Bonne soirée à tous. Merci.